Voilà. Nous devrions être en direct. Donc. En effet. On peut y aller, je suppose. Bien. Non? Bon, on va démarrer. Bonjour à tous. Alors, je Bonjour à pense tous. qu'on a une vingtaine de personnes donc, qui participent à cette session. Donc, il s'agit de la dernière conférence atelier de ce LXD. On devrait clôturer ça ici dans l'heure à venir. Pour clôturer ça, Mathieu et moi avons choisi de vous parler un petit peu de neurosciences, neuroéducation, avec un titre un petit peu accrocheur, hein, donc en 2021, en fait, la neuro-révolution. Voilà, donc on va juste commencer par se présenter rapidement. Mathieu, je t'en prie. Merci Mathieu. Donc, comme vous avez pu le voir, on s'appelle tous les deux Mathieu. C'est pas fait exprès. Donc moi c'est Mathieu. Donc je suis passionné moi par les relations humaines et le monde digital. Ça fait maintenant 10 ans que je pense et que je conçois des produits digitaux en observant notamment la manière dont les gens se comportent. Et pour y arriver, j'intègre les utilisateurs au cœur des processus de création, ce qui en découle des choses concrètes et riches en émotions. Et du coup, ces faits permettent de donner vie à des produits qui font sens pour les utilisateurs de demain. Et l'année passée, j'ai rejoint l'équipe MySkillCamp pour collaborer notamment avec Mathieu et tout le reste de l'équipe produit pour justement assurer une expérience utilisateur de qualité au sein de chacun de nos produits. Et donc, c'est pour ça qu'on est aussi très attentif aujourd'hui à tout ce qui se fait au niveau des neurosciences, car elles nous apportent beaucoup pour la compréhension du cerveau notamment. Voilà pour moi. Merci Mathieu. Donc moi c'est Mathieu, mais Mathieu Van Bell. Donc je suis Chief Product Officer chez MySkillCamp. Donc je m'occupe de développer, de travailler sur la vision produit chez MySkillCamp, sur notre stratégie de trouver des personnes telles que Mathieu pour nous aider à construire le produit que vous connaissez et que vous aimez. Voilà. Et donc aujourd'hui on a choisi un petit peu de vous parler d'un sujet. Qui nous intéresse beaucoup parce que ce sont des matières forcément qui nous concernent tous ici dans le domaine de l'EdTech, des technologies d'éducation. Et donc, évidemment, c'est important pour MySkillCamp et on s'est dit que ça allait certainement vous intéresser beaucoup, puisque peut-être plus encore que nous, si vous êtes formateur ou responsable formation, il y a peut-être encore davantage pour vous à trouver là-dedans. Ceci étant dit, ni Mathieu ni moi ne sommes docteurs en neurosciences ou quoi que ce soit de cet ordre. On vient ici aussi sans prétention, hein, on vient partager quand même des connaissances qu'on a pu acquérir suite à différentes lectures, des vidéos qu'on a pu consulter, enfin voilà, toutes les sources qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et voilà. D'abord, un petit mot simplement, rapidement pour rappeler ce qu'est MySkillCamp. Justement, comme étant responsable produit, moi j'ai choisi de mettre en avant ce slide avec la vision chez MySkillCamp. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment permettre à chacun de réaliser son plein potentiel et lui proposer donc un compagnon de route, vraiment quelque chose qui va l'aider au quotidien. Parce que c'est ce qu'on va voir aussi avec les neurosciences, c'est que justement, pour apprendre, eh bien, le travail au quotidien, c'est vraiment un gros atout. Chose qui va favoriser l'ancrage, etc. Et donc ça, c'est vraiment au cœur de notre vision, de ce qu'on souhaite mettre en place et de toutes les évolutions qu'on apporte aux produits dont on dispose aujourd'hui. Et donc ce produit qu'on propose, c'est une Learning Experience Platform, la LXP de MySkillCamp. Donc c'est un seul endroit, une seule solution dans laquelle on peut venir connecter une multitude de sources de formation, que ce soit des catalogues de partenaires dont certains... Vous avez peut-être vu certains aujourd'hui dans diverses présentations. Donc vous allez pouvoir rassembler tout ça, y ajouter vos propres contenus que vous aurez créés dans MySkillCamp ou dans votre propre LMS, et donc connecter tout ça, le centraliser dans MySkillCamp avec une expérience apprenante unifiée, donc vraiment pour des questions d'affordance, hein, je crois que c'est le terme technique, Mathieu.
qui vont permettre à vos apprenants de trouver ça en un seul endroit, d'avoir une seule mécanique pour accéder à tout ça et qui vont vous permettre de construire aussi par-dessus tous ces contenus, par exemple un trajet qui va un peu combiner différentes sources. Donc voilà, ça c'est quelques-unes des fonctionnalités clés qu'on propose dans MySkill Camp avec notre LXP aujourd'hui. Ceci étant dit, on va commencer avec le sujet du jour. Donc, on vous a préparé trois grands points dont on va un petit peu discuter. Alors, le but, ce n'est pas de faire de vous des spécialistes, on n'est pas des spécialistes nous-mêmes, mais on a choisi de se pencher un petit peu plus sur deux sujets en particulier, la mémoire de travail et l'attention. Mais on va commencer par juste une petite introduction rapide concernant la neuroéducation. Voilà. Et donc, attaquons sans plus attendre. Et donc, dans un premier temps, la question qui se pose, c'est OK, neuroéducation, neurosciences, bon, de quoi est-ce qu'on parle et finalement, pourquoi est-ce que je devrais m'y intéresser? En quoi ça peut m'aider au quotidien? On va peut-être commencer par une petite question toute simple, qui est comment un moteur permet-il à une voiture d'avancer? Ça, c'est pas vraiment une question de l'edtech, hein, c'est plutôt quelque chose que pas mal de monde connaît. Alors, je ne sais pas si on peut pousser ça. Je pense que j'ai peut-être les moyens de mettre ça sur le son, de lancer un sondage, pardon. Hop. Donc, Alicia, si on peut démarrer le premier sondage. Normalement, vous devriez avoir un outil sur la droite de votre écran qui vous permet de consulter les sondages. Et à travers le sondage, vous allez voir qu'il y a une petite question qui ne devrait pas tarder à apparaître et à laquelle je vous invite à répondre et qui consiste justement à préciser comment un moteur permet de faire avancer une voiture. Je vois rien pour l'instant, à mon avis, ça va arriver. Ouais, j'attends Alicia aussi. vient de dire qu'elle allait le lancer. Ok. Tous ces trucs d'informatique. C'est compliqué. Voyons voir. Moi, je ne vois toujours rien. Alicia is the pole Ah, voilà, ça y already. est. Donc, vous devriez avoir cette fois la question qui apparaît dans le volet sondage sur le côté. Hein. Donc, sur le côté, vous devriez avoir le chat et puis les sondages. Donc, la question que je pose, c'est l'explosion de l'essence dans un moteur à essence. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle provoque le déplacement dans le cylindre, mais le déplacement de quoi? D'un injecteur, d'un piston ou encore d'une courroie? Voilà, question un peu technique. On a déjà 5 votes pour l'instant. Et donc, je vais d'ailleurs voir ce que je sais voir facilement, consulter les résultats. Hop. Sans tricher. Bon, tant pis, je vais tricher. Allez, on laisse encore quelques secondes. Voilà, je vais encore attendre quelques On secondes, on a a déjà 10 une votes dizaine de pour votes. l'instant. Partition Voilà. 80-20. On est sur du pur Pareto. Ok, donc allons-y, effectivement. Et donc, effectivement, l'explosion de l'essence, ça provoque le déplacement dans le cylindre d'un piston. Donc, piston qu'on voit ici sur l'image, hein, on en voit deux en réalité. Donc, c'est le piston qui se déplace. L'injecteur, c'est ce qui amène l'essence. La courroie, c'est encore ailleurs, ça, c'est pour la courroie de distribution, etc. Bon, voilà. Après, moi, je suis pas mécanicien non plus. En attendant, je constate quand même qu'il y a 75% des votants qui ont bien répondu et donc qui savent qu'effectivement, c'est un piston qui se déplace dans un cylindre et que tout ça fait avancer une voiture. Alors, Alicia, je te demandais peut-être le deuxième, s'il est prêt. Et donc, on va passer au vote suivant. Enfin, la question suivante en réalité. Donc, la question, c'est cette fois, comment votre cerveau mémorise-t-il? Donc, une question finalement du même Plus ordre. facile. Plus facile sans doute. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voyons voir si ça démarre. Ça arrive, ça arrive. Donc je vais déjà vous donner un petit aperçu de la... Ah Ça y est. voilà, la question là. Donc cette fois, comment votre cerveau mémorise-t-il? La question un peu plus technique, hein, comme pour le moteur juste avant, c'est OK, mais il y a une structure, pas vraiment un organe, hein, une partie du cerveau, disons,
du système cérébral en tout cas, qui coordonne la mémoire. Et de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit de l'hippocampe, du cervelet ou du cortex cérébral ? Alors, on a 5 réponses pour l'instant. Elles sont très... c'est très mitigé pour l'instant, les avis. On est passé à 7 réponses. Alors, on va aller voir un petit peu du côté des résultats, donc. Et donc, moi, je vais répondre aussi. Je connais un peu la réponse. Bon, on a 10 votes, donc on va avancer avec ces réponses-là. N'hésitez pas, il n'est pas trop tard. Hein, mais en réalité, la structure qui coordonne la mémoire, c'est l'hippocampe. Voilà. C'est lui qui va vraiment jouer un rôle clé dans quelques étapes dont on va parler un petit peu plus tard. Je ne vais pas entrer dans les détails, hein, de toute façon, ce n'est pas très important, mais typiquement, bah, effectivement, des maladies comme Alzheimer, ça affecte l'hippocampe. Et voilà. Et donc, bah, la démonstration que je souhaitais faire, et je vous remercie parce que vous m'avez permis de montrer effectivement le résultat que j'escomptais, mais sans être trop certain. Ben, finalement, c'est assez étonnant de constater, comme ici, on a 75% de bonnes réponses pour le moteur de la voiture, et puis ben, finalement, on a moins de la moitié de bonnes réponses pour une question sur la mémoire. Mmh. C'est étonnant de constater que finalement, on en sait si peu sur le fonctionnement de notre cerveau, et en particulier sur celui de la mémoire. Et pourtant, on est face à un public de professionnels, justement, de la mémoire, hein, quelque part, de l'apprentissage. Et c'est justement bah, ce à quoi la neuroéducation se propose de travailler, et nous tous donc pour les minutes à venir. Donc bah, la neuroéducation, c'est ce point qui clignote, c'est quelque chose qui se trouve à l'intersection de différentes disciplines. C'est quelque chose qui a émergé au début des années 2000, je dirais, mais qui faisait l'objet déjà de recherches qui avaient déjà été évoquées, je crois, dans les années 70, 80, voilà. Et donc, ça se trouve à l'intersection bah, des neurosciences qui ont beaucoup progressé aussi justement sur, bah, en parallèle avec le développement des imageries médicales, etc. L'éducation, la pédagogie en fait partie évidemment, et alors tout ce qui est psychologie. Et donc, bah, on se trouve un peu au carrefour de ces trois disciplines quand on parle de neuroéducation. Donc ça, c'est pour essayer un petit peu de dire où se situe la neuroéducation. Ça reste encore quelque chose d'aujourd'hui peu développé. Oui, il y a encore beaucoup de choses qui sont méconnues, je dirais surtout, parce qu'il y a aussi malgré tout pas mal de ressources qu'on peut rassembler là-dessus, des livres très intéressants de vulgarisation entre guillemets. Hein. Alors, on parle plus de neurosciences pures, mais en même temps, on retrouve justement des concepts qui sont rendus accessibles dans ces ouvrages-là. Il y a également pas mal de ressources sur Internet, des TEDx, bien sûr. Hein. Et voilà. Et en fait, en quoi est-ce que ça peut nous intéresser, nous, aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'il y a deux choses. Quelque part, ça va nous permettre d'abord de commencer par comprendre comment notre cerveau apprend, et puis d'en tirer des choses très pratiques pour améliorer l'apprentissage. Donc voilà, c'est en ça, pour moi, que la neuroéducation est une discipline intéressante pour les professionnels de la formation, de l'éducation. Voilà. Ça, c'était pour cette petite introduction donc sur la neuroéducation. Et maintenant, on va discuter mémoire de travail. Je vais passer directement à la suite. Et je vais te laisser introduire ce sujet-là, peut-être, Mathieu. Ouais. Donc ici, ce dont on va parler, c'est vraiment des styles d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est un style d'apprentissage ? C'est un concept selon lequel on assimile la connaissance, qu'on apprend de façon différente en fonction de facteurs individuels. Et donc, chaque individu va avoir sa façon d'apprendre, pas forcément au niveau de la préférence, mais au niveau de l'approche. Et donc, tous les apprenants, ils peuvent avoir une sorte d'étiquette en fonction de ce style d'apprentissage. Et donc, il y en a trois principaux, on va dire, qui sont populaires, connus, qui sont le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Et donc, j'ai une première question pour vous. So, Alisha, you can put the poll. Elle est déjà là. Donc, la première question est, quel est votre style d'apprentissage selon vous ? Donc, la façon dont vous apprenez. Vous voyez qu'il y a trois réponses possibles, enfin quatre même. Le visuel, donc vous apprenez plus facilement avec des schémas, des illustrations, des choses vraiment visuelles. L'auditif, donc typiquement vous lisez à voix haute
pour apprendre un texte, comme souvent les étudiants font à voix haute. Kinesthésique, vous avez besoin d'expérimenter, vous êtes plus manuel, ou alors vous pensez que vous faites les trois à la fois. Voilà, donc de nouveau, à travers les sondages, vous pouvez répondre. Hein. Il n'y a pas de bonne réponse ici, mais du coup, selon vous, quel est votre style d'apprentissage ? Visuel, auditif, kinesthésique, un mélange des trois. Donc pour l'instant, on a presque atteint les 10 votes. À mon avis, on peut regarder au niveau des résultats. Donc on a pas mal de monde qui a répondu les trois à la fois, hein, donc 2/3 des répondants. Et puis alors, on a même un petit peu plus maintenant. Et puis on a quelques visuels et une personne qui est plutôt kinesthésique. Ok. Ce qui est intéressant, ce que je peux observer ici, c'est que donc la plupart, vous n'êtes pas catégorique là. Vous dites que vous avez plusieurs styles d'apprentissage, ce qui va être intéressant parce que justement, on va découvrir ensemble ce qu'il en est aujourd'hui, le statut un peu de ces choses-là qu'en disent les neurosciences. Une deuxième petite question ici, qui est selon vous, combien de styles d'apprentissage existent-ils ? Je vous ai donné trois styles. Parce qu'en fait, si on tape sur Wikipédia ou qu'on fait quelques recherches rapides, c'est ce sur quoi on va tomber. Mais selon vous, est-ce qu'il y a plusieurs styles d'apprentissage ? Et si oui, est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'il y en a trois ? Est-ce qu'il y en a cinq plus un ? Ou est-ce qu'il y en a plus de 70 ? Voire 70 même. Hein. Ça dépend un petit peu de quel côté de la frontière. 70 pour nos amis français. Donc voilà, là aussi, on a un petit sondage. Combien de styles d'apprentissage selon vous ? Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'il y en a trois ? Bon, on en a déjà évoqué trois, donc ne répondez pas un. Est-ce qu'il y en aurait 5 plus 1, un petit peu particulier ? Est-ce qu'il y en aurait plus de 70, voire 70 ? C'est assez partagé pour l'instant. Bon, personne n'a répondu. Hein. C'est déjà ça. Oui. Ah si, voilà. Je ne veux pas biaiser, mais un pourrait être une bonne réponse. Hein, parce qu'on va découvrir après combien de styles. Et on sait bien souvent que on se trompe et la science nous permet de voir qu'effectivement, ce n'est pas ce qu'on croyait. Voilà, des réponses assez partagées au final, hein, avec un petit peu moins de votants quand même pour un ou trois styles d'apprentissage. Puis 1/3 de votants pour 5 plus 1 et 1/3 pour plus de 70. Ok, intéressant. Donc maintenant, on va un peu découvrir ensemble ce qu'il en est. Donc, je vais faire très rapidement un petit point sur l'histoire. Donc, il y a 50 ans, il y a M. Lafontaine qui en a dénombré deux. Et ça, ça a été très ancré encore aujourd'hui. Donc, le principe, c'est qu'on a chacun un style d'apprentissage privilégié qui nous permettrait de mieux comprendre et mémoriser les connaissances. Donc, il y a des personnes qui seraient plutôt visuelles et d'autres qui seraient plutôt auditives. Donc, les personnes en visuel, elles apprennent plus facilement avec des éléments visuels. Elles vont faire de la résolution de problèmes visuellement. Elles vont penser plus rapidement, elles vont gesticuler en parlant. Alors que les personnes qui sont plus dans l'auditif, c'est plus des personnes qui vont être passives, qui vont écouter les professeurs, qui vont aimer les grands cours, typiquement tout ce qui va être plutôt universitaire. Et donc, selon Lafontaine, ce style d'apprentissage, il peut être repéré dès les premiers mois de la vie d'un nourrisson. Donc, c'est pas génétique, mais ça veut dire que dès le début, on pourrait dire, ah ben tiens, votre enfant, il va plutôt être visuel ou auditif. Et donc, ça, c'est il y a 50 ans. Et il y a maintenant 15 ans, donc on avance dans le temps, il y a 15 ans, il y a Cofield qui en a dénombré plus de 70. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on garde le visuel, l'auditif, on ajoute le kinesthésique, mais il y en a bien d'autres qui vont s'ajouter. Ce qui est intéressant, du coup, parce qu'on comprend que ce n'est pas catégorique. Et alors, ce troisième, le kinesthésique, c'est tout ce qui est apprendre en faisant. C'est mettre vraiment la main à la pâte, expérimenter les choses, faire de l'essai-erreur. Ce qu'on a tendance à plutôt faire aujourd'hui. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans le milieu d'éducation ? Eh bien, on remarque que les profils les plus courants, ça reste le visuel, l'auditif et le kinesthésique qui vont être appris à l'école. Et il y a d'ailleurs un initial pour ça, c'est VAC, V-A-K. Donc, c'est la vue, l'ouïe, le toucher qui sont les principaux sens qui participent à la mise en œuvre de nouvelles informations et leur représentation. Alors, on va voir si c'est vraiment quelque chose de vrai aujourd'hui. Et du coup, j'ai un dernier petit sondage à ce niveau-là pour vous, qui est, selon vous, que pensent les professionnels de l'éducation de ces trois types d'apprentissage ? Est-ce qu'ils y adhèrent ? Et donc, dans le petit sondage que je vous ai mis, est-ce que selon vous, il y a un enseignant sur 10 qui adhère à ces trois styles d'apprentissage ? 3 sur 10, 6 sur 10 ou 9 sur 10 ?
Donc, qu'est-ce que j'entends par y adhère? Ça veut dire, c'est les personnes qui se disent, oui, je pense que c'est vraiment effectif et c'est important que je crée mes cours, qu'ils soient en ligne ou hors ligne, en fonction de ces trois styles d'apprentissage. Et que je lui permette aux gens de dire, est-ce que tu es plus visuel? Alors, je te propose celui-ci. Est-ce que tu es plus auditif? Alors, je te propose celui-là. Est-ce que du coup, parfait, c'est lancé. Justement, je vois que Michael a mis un petit commentaire. Le cerveau n'aime pas les cases, il préfère les liens. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais en réalité, on va en parler un petit peu après, hein, des cases justement du cerveau et de la manière dont justement on peut mieux exploiter les cases en créant du lien pour créer c'est des notamment pour ça, gros morceaux. Qu'on conseille de faire du mind mapping, donc tous ces schémas en cerveau un peu. Mind mapping pour apprendre, pour prendre des notes en réunion notamment. Car ça imite les connexions neuronales dans le cerveau. Ah, donc on a eu quelques réponses, de nouveau assez, assez réparties. Il y a deux personnes qui pensent que c'est un enseignant sur 10 qui adhère à ces trois styles. Pas mal de monde qui est plus sur entre 30 et 60%, et puis quelques-uns qui vont jusqu'à 90%. Ok, très mitigé. Donc on va dire en moyenne, vous pensez qu'il y a 5 enseignants sur 10 qui adhèrent à ces trois styles. Eh bien, attention, je vais vous donner la réponse. À noter que c'est un article du centre, je ne sais plus quoi, mais c'est quelque chose un article de neurologie français. Et donc, c'est quand même, on va dire, une étude assez sérieuse. Et dans les réponses, dans le sondage, sur 500 personnes, il y a 9 enseignants sur 10 qui adhèrent à ces styles d'apprentissage. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Eh bien, de nombreuses études ont été menées pour tester la validité, justement, de la théorie de ces profils visuels, auditifs, kinesthésiques. Et à ce jour, aucune étude n'a pu prouver que la qualité de l'apprentissage était supérieure quand l'enseignement était adapté au profil de l'élève. Et donc là, on peut voir vraiment une sorte de problème entre ce que les gens pensent et ce qui est effectif aujourd'hui. Surtout que ce ne sont pas des recherches qui ont été faites en 2021, mais qui ont quand même quelques années. Mais c'est juste qu'il y a certaines choses qui font qu'on croit que c'est comme ça. Et ici, dans ma dernière partie, qui est un peu plus didactique, je vais vous expliquer trois biais cognitifs qui, en fait, nous biaisent dans nos jugements et qui font qu'on peut penser ce genre de choses-là. Peut-être pour rappel, rapidement, un biais cognitif, qu'est-ce que c'est? C'est un schéma de pensée trompeur et faussement logique qui permet à l'individu, donc à nous-mêmes, de porter un jugement, de prendre une décision rapidement. C'est un peu le système de pensée 1 par rapport au système de pensée 2, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et donc, c'est un peu l'instinctif, si on veut. Donc, premièrement, j'aurai un petit sondage pour vous. Qu'est-ce que c'est le biais de confirmation? Et ensuite, je vous expliquerai, je vous donnerai un exemple. Ce qui est un des biens les plus puissants pour justement être faussé à ce niveau-là. Donc, petit sondage, vous avez deux possibilités. Est-ce que le biais de confirmation, ça consiste à privilégier des informations qui contredisent nos croyances ou au contraire, privilégier des informations qui renforcent nos croyances? Déjà quelques votes, plusieurs, qui vont tous dans le même sens. C'est unanime, presque unanime. Voilà. Donc effectivement, le biais de confirmation, c'est la tendance naturelle qu'on a à privilégier les informations qui confortent nos préjugés, nos idées reçues, nos convictions, nos hypothèses. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, je déteste les personnes de grande taille, ce qui n'est pas le cas, parce que j'en suis une, eh bien, je vais mémoriser toutes les fois où celles-ci ont été désagréables et je vais oublier toutes les fois où ça n'était pas le cas. Et c'est d'ailleurs sur ça que fonctionnent les algorithmes du style YouTube, Google, etc. Donc, soyez prudents quand vous utilisez ce type d'outils, car ils vont vous renforcer dans votre biais de confirmation. On va encore voir deux petits biais ensemble. Donc, le suivant, c'est le biais de disponibilité. Pareil, il y a un petit choix. Sondage. Et donc cette fois, est-ce que le biais de disponibilité consiste à privilégier les faits les plus récents au détriment de souvenirs mémorables ou, au contraire, privilégier les souvenirs les plus mémorables au détriment de faits nouveaux? Donc est-ce qu'on a une prime quelque part à la mémoire ou une prime à la nouveauté avec le biais de disponibilité?
C'est plus partagé ici. Pour l'instant, avec un léger avantage au fait de privilégier les faits les plus mémorables. Il est moins facile que le précédent. Et il est moins connu. Ouais. Ok, donc je vois 4 votes pour privilégier les faits les plus récents au détriment des souvenirs mémorables. Et alors 6 votes pour privilégier les souvenirs les plus mémorables au détriment de faits nouveaux. Ok, intéressant. Donc, le biais de disponibilité, c'est la tendance qu'on a à privilégier et à surestimer les informations qui nous viennent directement à l'esprit. Donc, c'est-à-dire les plus mémorables au détriment de faits nouveaux. Je vais vous donner un exemple. On prend une voiture française. Donc, le fait d'avoir acheté récemment une Renault Scénic de couleur grise nous amènera à en remarquer de nombreux autres exemplaires chaque fois qu'on va prendre la route, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, typiquement, si vous pensez à acheter une voiture, vous allez commencer à regarder toutes les différentes marques, alors qu'avant, vous ne le faisiez pas forcément. Et alors, un dernier petit biais qu'on va voir ensemble, c'est le biais de familiarité. Et alors ici, dernier petit sondage. Donc, le biais de familiarité, c'est soit faire confiance et juger plus crédible des souvenirs familiers, ou c'est faire moins confiance et juger moins crédible des faits au sein de votre famille. Ici, je vois que c'est un peu plus unanime que le précédent. Mmh. Tout à fait. Okay. Donc là, c'est clair que presque tout le monde a répondu. Faire confiance et juger plus crédible des souvenirs familiers. Donc effectivement, ça consiste à faire davantage confiance à tout ce qui est proche de nous, à ce qu'on connaît le mieux et à favoriser ça par rapport à d'autres options. Je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup. C'est dans les sondages sur, par exemple, les 10 meilleurs films. Ce sont toujours les plus connus qui arrivent en tête, et indépendamment de leur qualité, ce qui fait que la familiarité pousse à exagérer la qualité perçue. Donc vous, quand vous me dites « qu'est-ce que je vais regarder ?» Je vais vous taper « top 10 » dans Google, il y a peu de choses en fait que ce soit vraiment le top 10, les meilleurs films, mais ce sera plutôt les films les plus célèbres, les plus connus, les plus familiers pour les gens. Et qu'est-ce qu'au final on peut retenir de tout ça? C'est que faire passer l'apprentissage par une seule modalité sensorielle, donc ça veut dire visuel, auditif, kinesthésique ou bien d'autres, ça va à l'encontre des découvertes en neurosciences sur la façon dont le cerveau humain apprend. Donc il faut vraiment être vigilant à ce niveau-là et pas hésiter d'en parler et aussi apprendre tous ces biais cognitifs. Il y en a plus de 250, donc il ne faut pas les apprendre par cœur, mais c'est important des fois de se rappeler qu'il en existe. Aussi, plus vous stimulez des régions distinctes du cerveau, comme l'a souligné Michael, mieux ce sera pour l'apprentissage. Donc au final, vous mélangez les styles d'apprentissage et ce sera très bon pour vous parce que vous aurez plus de moyens pour retenir. Et au final, on apprend un peu tous de la même façon parce qu'en final, on a tous plus ou moins le même cerveau, un 9% identique. Et il ne s'agit donc pas de se connaître, mais de connaître le fonctionnement de notre cerveau. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu, d'avoir participé à ces petits sondages. Je vais repasser la parole à Mathieu. Oui, merci. Du coup, on va un petit peu aborder le dernier point qui est de voir un petit peu ce qu'en disent les neurosciences. Je vais avancer ça. Donc oui, globalement, c'est ce qu'en disent les neurosciences hein, par rapport à ce qu'on vient de dire et par rapport à ces styles d'apprentissage, c'est que ça relève davantage de la fake news que du fait, justement. Et c'est ce qu'on va un petit peu développer maintenant sur le chat. Donc, Michael Desnos partageait aussi une ressource à ce sujet, justement, concernant les neuromythes, avec entre autres une conférence d'Elena Pasquinelli. Justement, on reparlera un petit peu d'Elena Pasquinelli un petit peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le chat pour le lien vers cette conférence. Voilà. Donc, un petit mot simplement, finalement. La mémoire pour la formation, la formation aujourd'hui, on s'intéresse évidemment à délivrer, à faire passer un message, une information, s'assurer finalement que chacun a bien compris hein, la matière.
Et l'idée, ben justement, le challenge, c'est aussi de s'assurer que chacun va mémoriser la matière. C'est ça ici l'enjeu par rapport à cette neuroéducation, c'est de travailler sur cette partie-là en particulier. Et donc, ben, ce que les neurosciences ont permis de découvrir, c'est déjà d'identifier qu'il y avait deux types de mémoire. Bon, c'est même un petit peu plus compliqué que ça. Et trois phases essentielles de mémorisation. Ok, donc bah, on va regarder ça d'un petit peu plus près tout de même. On va pas aller trop dans les détails, hein, mais ça va permettre de comprendre un petit peu tout ça. Alors sur les trois phases de mémorisation, je vais revenir un petit peu plus tard, mais voyons déjà un petit peu. Donc au niveau des deux mémoires, eh bien on parle de la mémoire de travail, aussi appelée mémoire à court terme. Ça c'est plus le terme historique, en tout cas en français. Aujourd'hui on parle plus de mémoire de travail. Et puis on a la mémoire à long terme. Voilà, alors on n'a pas besoin de retenir davantage que ça, on va voir après pour les phases, attention, l'encodage, etc. Mais vous voyez que par exemple pour la mémoire à long terme, c'est encore un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'elle elle est souvent encore découpée en 4, 5 mémoires, donc c'est encore un petit peu plus subtil. Et donc on a cette mémoire de travail, et cette mémoire de travail, eh bien, elle permet de maintenir à la conscience, donc de garder vraiment en conscience le temps de réaliser une série d'opérations, comme par exemple parler, lire, calculer ou réfléchir, et garder en conscience une série d'informations. Donc c'est à ça que sert cette mémoire de travail. C'est vraiment la table sur laquelle je viens déposer des objets, et puis je fais mon petit bricolage, hein, ma petite action. Et puis derrière, j'ai la mémoire à long terme, qui est plus une mémoire de stockage avec une énorme capacité, qui ressemble plus à la bibliothèque derrière moi ici, par exemple. Donc là, j'ai le bouquin, par exemple, un bouquin ici que je vous conseille aussi au passage, Neuro-Learning. Mais ça, je l'ai sur ma table de travail, curieusement, aujourd'hui. Et puis derrière, j'ai plein d'autres bouquins. Et voilà, ben, à un moment donné, cette mémoire de travail, elle est là, c'est la table sur laquelle on peut travailler. Cette mémoire de travail, ben, elle joue un rôle critique dans la compréhension et dans l'apprentissage. Et sa caractéristique, un peu comme la table de travail de nouveau comparée à cette énorme bibliothèque, eh bien, c'est que elle ne peut stocker qu'une quantité limitée d'informations et pendant un temps court. Donc, alors un temps court, ça peut être quelques secondes ou quelques minutes. Voilà, jusqu'à quelques minutes. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a cette capacité limitée, comme la table. J'ai une surface de travail, elle n'est pas plus grande. Est-ce qu'elle est la même chez tout le monde? Non, pas exactement. Ça s'appelle cette capacité quelque part de la mémoire de travail, on l'appelle aussi l'empamnésique. Voilà, donc comme ça, hein, vous aurez un terme technique que vous pouvez écrire si vous le souhaitez, mais bon, au final, c'est rien d'autre que ça, que l'idée de cette capacité dont dispose la mémoire de travail. Alors, en général, d'après les recherches, la capacité de cette mémoire de travail, donc la taille, quelque part, l'empamnésique, c'est 7 informations, plus ou moins 2. Donc selon les individus, selon aussi peut-être la forme de chacun, etc., selon le contexte, eh bien, on va être capable de travailler simultanément sur 5 à 9 informations. 7, plus ou moins 2. Et en réalité, c'est même un petit peu plus compliqué que ça. Les dernières recherches montrent qu'on est capable de travailler sur plutôt 5 groupe d'informations. Donc on est capable de créer, et justement Michael en parlait un petit peu plus haut dans le chat, de créer du lien entre certaines informations pour en faire une espèce de gros morceau. Donc on se dit, ok, mais ça je range ça un petit peu tout dans la même case. Et donc on a ces 5 cases dans lesquelles on peut, si on arrive à créer du lien, à accrocher les choses, on peut ranger éventuellement des informations qui sont complémentaires, je dirais. Et donc ben justement, arriver à créer du lien entre les informations permet de davantage exploiter ces 5 cases. Et donc voilà, c'est chunk, c'est exactement ça, c'est créer des morceaux comme ça, hein, regrouper des informations en un chunk, un morceau littéralement en anglais, pour aller exploiter ces 5 cases dont on dispose avec la mémoire de travail. Alors c'est 5 plus ou moins 1. Mais voilà. Donc 4 à 6 informations. Donc ça c'est une chose qui est intéressante, mais il y a une autre chose qui est très intéressante et qui est illustrée ici sur la gauche du schéma. Vous voyez qu'en fait, le fonctionnement de cette mémoire de travail, ça s'appuie sur 3 structures. Alors, ça a des noms plus ou moins compliqués, la boucle phonologique, le calepin visuo-spatial et l'administrateur central. Bon. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de constater qu'en fait, on a 2 boucles séparées,
la boucle phonologique, celle qui va utiliser le langage pour maintenir en mémoire des données auditives. Donc ce que vous entendez est conservé dans la boucle phonologique, dans la mémoire de travail, et puis ben, ce que vous venez d'entendre, dans quelques minutes, vous l'aurez oublié. Donc, ça montre bien justement cette limite dans le temps au niveau de la capacité de la mémoire de travail. Mais vous avez un autre espace de la mémoire de travail, presque comme si on avait deux tables séparées, pour les entrées visuelles. Donc c'est le calepin visuo-spatial. Et donc c'est là qu'on va pouvoir utiliser, stocker des images mentales qui vont faciliter donc, la mémorisation au court terme. En réalité, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement. Parce que si vous devez composer un numéro de téléphone, parfois il est écrit quelque part, ou voilà, ben, qu'est-ce que vous faites ? Vous répétez le chiffre. Vous répétez le chiffre, et puis vous allez le composer, vous le répétez jusqu'à le composer, et là c'est bon. Mais là, vous utilisez quelle mémoire selon vous ? Je vais pas mettre de sondage. Hein. Mais là, effectivement, ça va être la boucle phonologique. Donc là, c'est une mémoire auditive. On se le répète vraiment. C'est vraiment quelque chose qu'on se parle à soi-même. C'est pas grave. Hein, moi aussi, je me parle à moi-même parfois, enfin dans ce contexte-là en tout cas. Mais donc ça, c'est vraiment un exemple où on utilise la boucle phonologique. Un exemple du calepin visio-spatial où on utilise plutôt une image. C'est peut-être pour le code de votre carte bancaire. Donc, quand vous composez le code de votre carte bancaire, vous avez une image mentale où je sais, alors j'appuie là, et voilà, et je compose mon code comme ça. Donc, on a une image souvent plus visuelle qui est, ça c'est quelque chose qui est assez répandu en tout cas. Maintenant, de nouveau, chacun peut travailler de différentes manières. Donc, ça, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a ces deux aspects-là. Et justement, ben, ce qui convient de retenir de ça, cette petite introduction sur la mémoire de travail, c'est justement qu'il y a deux boucles différentes, une auditive, une visuelle, et donc ben, il faut utiliser les deux. Ne gardez pas la table à moitié vide, utilisez les deux tables, hein, donc il y a une capacité limitée, mais il y a deux canaux d'entrée qu'on peut exploiter. Eh bien, utilisez les deux. Je dirais pour un formateur, par exemple, si on prend... une formation un petit peu à l'ancienne, une présentation à l'ancienne en entreprise, si vous commencez à quelque part à prendre un slide, un visuel avec un PowerPoint plutôt bavard, hein, et puis vous êtes là, vous lisez ça, vous lisez les slides, ben, on n'exploite pas ce côté visuel en réalité. C'est la mémoire auditive qui a travaillé, et le visuel ne vient absolument pas enrichir ça. Donc ça, c'est quelques-unes des pistes, hein, et ce sera donc beaucoup plus efficace finalement de commenter une image, l'image que vous avez peut-être aussi, enfin sur laquelle vous allez mettre quelques mots-clés pour venir renforcer le sens. Voilà, donc bah, si vous deviez retenir quelques éléments par rapport à ça, c'est vraiment cette intégration multisensorielle qui améliore la capacité de percevoir et de traiter les informations. Par rapport à ce qu'on disait sur les styles, ben vous comprenez bien donc ici qu'en réalité, ben se concentrer sur le style visuel par exemple et faire l'impasse sur l'auditif, ben c'est regrettable parce que vous sous-utilisez finalement la mémoire de travail de vos apprenants. Et puis on va voir aussi justement par rapport à cette notion d'empamnésique, donc de capacité de travail, de la mémoire de travail qui est limitée, bien on va aborder encore quelques sujets, mais ça concerne peut-être plus une autre partie qui est l'attention. Voilà, donc je ne sais pas s'il y avait éventuellement des questions à ce sujet, avant que je ne passe sur la partie suivante. Hop, je ne crois pas. Ok. Alors, je vais donc enchaîner. Voilà. Donc déjà, ce que je vous invite peut-être, justement, bah, par rapport à ça, je vous invite sur le chat peut-être à répondre à cette question, cette fois sur le chat parce qu'il s'agit plutôt d'une question ouverte, mais est-ce qu'aujourd'hui vous exploitez ces mécaniques ou est-ce que vous pourriez améliorer quelque chose ? Donc est-ce que là tout de suite vous vous êtes dit « Ah tiens, ça me donne une idée, peut-être que je pourrais faire ça » ou est-ce que justement il y a peut-être une petite astuce que vous souhaiteriez, que vous seriez prêt à partager ici un petit peu avec tout le monde ? Donc je vais vous laisser quelques secondes hein, pour aborder ça, pour écrire une petite phrase à ce sujet peut-être, partager un petit tuyau. Voilà, alors pendant ce temps,
Je vais peut-être préparer, il y aura un petit... J'ai Michael qui essaie. Ben Michael, par exemple, pour avoir vu certaines de ses vidéos, parce que Michael est d'ailleurs... maîtrise pas mal les neurosciences, il y a même quelques vidéos sur Internet où on reconnaît sa voix. Le principe de Maillard sur les documents multimédia, oui. Et effectivement, bah, typiquement, ça veut dire aussi que là où traditionnellement, enfin, on peut parler formation digitale par exemple, hein, si vous allez créer un contenu de formation où en réalité vous produisez un article, bah, si on produit que du texte, donc une page de contenu avec du texte et quelques images éventuellement, ben on est quand même très fort sur l'aspect justement visuel. Enfin, il y a beaucoup de texte, etc. Donc, ce qui peut marcher pas mal, c'est justement de produire des vidéos sur lesquelles on va venir eh bien, lire. Enfin, on va mettre un commentaire sur une vidéo avec des images qui vont renforcer. Et donc, voilà, faire des vidéos de ce type-là, ça peut être intéressant aussi. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus, bien sûr, qu'on doit abandonner les pages de contenu, etc., hein, puisque de nouveau, il y a quand même cette combinaison de visuel et d'auditif qui reste possible. Donc, on a Camille qui essaie le plus possible de multiplier les méthodes pour faire intervenir les différents types de mémoire sur une même thématique. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'idée, hein, d'aller exploiter les deux canaux. On aura peut-être quelques commentaires qui arriveront encore après, mais je vais avancer un petit peu. Donc on va passer sur le troisième sujet ici, où on va parler un petit peu plus de l'attention. Voilà, parce que l'attention, c'est quand même aussi quelque chose d'assez important, qui est, vous me direz, peut-être pas directement lié à la mémoire, et pourtant. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est commencer par une petite vidéo. Donc cette vidéo, elle dure 5 minutes. Je vais sans doute l'interrompre après plutôt 3 minutes, 3 minutes et demie. Donc voilà. Normalement, vous devriez avoir le son. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le signaler sur le chat. Mais je pense qu'on a dû bien faire ça. On l'avait préparé. Donc ça devrait bien se passer. Alors, c'est parti. Il n'y a pas encore de son. Bonjour, je m'appelle Anne et je vous présente Katia. Bonjour. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints pour cet incroyable tour de magie des cartes qui changent de couleur avec ce jeu de cartes bleues. L'idée est très très simple. Je vais étaler devant Katia ce jeu de cartes et je vais lui demander d'en sélectionner une et de l'avancer sur la table toujours face cachée. D'accord, alors je vais choisir par exemple... celle-ci. Très bon choix. Katia aurait pu évidemment choisir n'importe quelle carte de ce jeu que j'ai en main. Elle a sélectionné celle-ci, c'est un très bon choix. Je vais maintenant, Katia, vous demander de montrer la carte à la caméra et d'annoncer tout haut la carte que vous avez choisie. Ok. J'ai choisi le 2 de carreau. Excellent choix, le 2 de carreau. Ça, c'est une carte fantastique. Maintenant, je vais la remettre dans mon jeu. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est en étalant le jeu de cartes face visible sur la table, retrouver la carte de Katia. Le 2 de carreau se trouve bel et bien ici. Et il a un dos bleu, ce qui n'est finalement pas si incroyable. Ce qui est plus incroyable, c'est que le reste du jeu a un dos rouge. Et voilà, vous venez de participer à cet incroyable tour de magie des cartes qui changent de couleur. Merci Katia. Merci Yann. Merci à vous. Donc ici, si j'interromps un petit peu la vidéo et je vous invite côté sondage à répondre à la question. La question, c'est quelle carte la magicienne avait sélectionnée ? Est-ce que c'était le 2 de carreau, la dame de pique, le 2 de cœur, le 3 de trèfle ? Côté sondage. Là, je vous invite à répondre sur la carte qui avait été sélectionnée. Est-ce que vous avez retenu ça ?
Alors, j'ai une large majorité qui avait retenu la carte, qui avait été sélectionnée. Bon. Maintenant, vous avez raison. Maintenant, Alicia, si on peut mettre le suivant. J'ai une deuxième petite question. Donc on a quasiment tout le monde qui a répondu ça. Est-ce que vous savez encore de quelle couleur était vêtue la magicienne ? La personne qui se trouvait à gauche sur la vidéo. Est-ce qu'elle était en gris, en rouge, en mauve, en noir ? Quelques votes. Là, j'ai quand même deux couleurs là. Quand même deux couleurs qui se dégagent. Oui. Plus ou moins. Ok, ben. En réalité, on avait beaucoup plus de bonnes réponses, clairement, sur la question précédente. Ici, il y en a la moitié à peu près qui sont pas trop mal. Je dirais, mais il y a aussi davantage d'erreurs. Mais on va revenir à la vidéo, et puis on reprend la discussion juste après. Je vous mets juste les quelques minutes suivantes. Quelques secondes, en tout cas. Bonjour, je m'appelle Anne et je vous présente Katia. Bonjour. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints pour cet incroyable tour de magie des cartes qui changent de couleur avec ce jeu de cartes bleues. L'idée est très très simple. Je vais étaler devant Katia ce jeu de cartes et je vais lui demander d'en sélectionner une et de l'avancer sur la table, toujours face cachée. D'accord, alors je vais choisir par exemple... celle-ci. Très bon choix. Katia aurait pu évidemment choisir non. Voilà, donc vous avez compris l'idée. Donc effectivement, bah là la caméra joue un peu, ça donnait un côté un peu maladroit à la vidéo, mais en réalité quand on se rend compte de ce qui se passait, on comprend un petit peu mieux. Et donc, bah oui, effectivement, en réalité quand on regarde vos réponses, on constate que tout le monde, à une exception près, mais quasiment tout le monde avait bien retenu la carte qui avait été sélectionnée. Alors que on a la moitié des répondants qui ont effectivement retenu qu'elle était habillée en mauve, en tout cas à la fin, puisqu'au début c'était même une couleur différente. Mais je pense que personne n'avait remarqué, enfin dites-le moi, hein, mais je ne pense pas que vous ayez remarqué même que la couleur avait changé entre le début et la fin. Donc c'est assez bluffant, ça illustre bien justement cette notion d'attention. Voilà, donc on va avancer un petit peu. Mais donc, ben, je reviens avec cette phase, avec ces deux mémoires, hein, donc la mémoire de travail, la mémoire à long terme, mais aussi les trois phases. Ben, la première chose, c'est que on va achever donc un peu ce tour de fonctionnement, mais les trois grandes étapes, donc la première étape, c'est celle qu'on voit ici, hein, c'est en haut du schéma, c'est l'attention, justement. L'attention, c'est un filtre hyper sélectif, comme on vient de le voir, hein, on vient d'en faire l'expérience, que notre cerveau applique à l'ensemble des stimuli qui lui parviennent. Donc voilà, là, vous avez eu toute une série de stimuli, vous avez vu cette vidéo, mais vous avez capté certaines informations, il y en a plein que vous avez écartées. Donc, la couleur du t-shirt, elle n'est même pas arrivée dans votre mémoire de travail. L'attention l'a écartée. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'attention. Ensuite, ce qui se passe donc dans les phases suivantes, c'est qu'il y a un encodage et un stockage, donc c'est l'acquisition de nouvelles connaissances, hein, leur rétention, et puis il y a une autre phase importante dans le travail global de mémorisation qui est la récupération, hein, donc le rappel de l'information à la conscience, avec un bon exemple. Donc parfois, c'est cette étape-là qui plante, hein, qui ne fonctionne pas. De temps en temps, on a un mot sur le bout de la langue, vous savez. Ben, ça, c'est typique, justement. On a bien encodé l'information, elle est là, elle va finir par ressortir peut-être, mais il manque quelque chose, il manque un lien peut-être un indice mémoriel qui va permettre vraiment de faire ressortir ça, donc de travailler sur la récupération. Donc ici, on va dire un petit mot sur l'attention.
Et précisément, bah justement, sans attention, déjà, il n'y a donc pas de mémorisation. C'est ce que je disais juste avant. Si ça n'arrive même pas dans la mémoire de travail, aucune chance que ce soit mémorisé. C'est ce qu'il faut retenir principalement de ceci. Et donc, bah, si l'attention est faible également, la mémorisation est fortement compromise. Et dernier point, comme notre capacité de travail, la table ici de la mémoire de travail, bah, elle a une capacité limitée, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'attention, il faut aussi la diriger correctement. Parce que si finalement, ben, mon attention est un petit... Si je suis un petit peu distrait, ben, j'ai déjà une partie de ma mémoire de travail sur laquelle je vais aller mettre des informations périphériques, des choses qui ne sont pas pertinentes pour l'apprentissage. Et donc, ben, j'ai moins de place pour les informations que je suis censé apprendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement important. Donc, il faut vraiment diriger son attention au maximum sur l'apprentissage. Mais il y a une autre problématique par rapport à ça, c'est la durée, justement, de l'attention. Donc, je ne sais plus si j'avais mis un slide pour ça. Je crois que oui, voilà, parfait. La question, justement, c'est ben, combien de temps peut-on concentrer son attention ? Donc, Alicia, si tu peux envoyer la petite question pour ça. Donc, la question, bah, c'est de savoir combien de temps est-ce qu'on peut rester attentif. Alors, attentif, donc justement, diriger son attention hein, pour, sur un sujet donné. Donc, sans autre, en imaginant quelque chose où on reste quelque part, on a une présentation, on reste sur un même support, on est en train de parler, on continue. Donc, il n'y a pas de bouleversement quelque part. Dans ce cas-là, donc, combien de temps est-ce que vous pensez qu'un apprenant pourra concentrer son attention ? Est-ce que c'est 10 minutes ? Est-ce que c'est 20 minutes ? Est-ce que c'est 25 minutes, comme un pomodoro, hein, la technique où on travaille 25 minutes et puis on fait 5 minutes de pause, peut-être ? Ou est-ce que c'est, selon les cas, 40 à 50 minutes ? On va voir côté réponse. On a pas mal de monde qui part sur 20 minutes. Pas mal de monde aussi sur 10 minutes. Et puis, quelqu'un peut-être un petit peu optimiste sur 40 à 50 minutes. Eh bien, dans un premier temps, les premières études, on a pensé que c'était de l'ordre de 20 minutes. Mais les études les plus récentes montrent plutôt que c'est 10 minutes. Donc 10 minutes maximum, et après, on a l'attention qui chute fortement. Donc on prend une présentation, un truc plutôt mauvais, on va dire, mais assez répandu. Donc on a un PowerPoint, hein, au niveau visuel, un PowerPoint assez verbeux, hein, beaucoup de texte, pas grand-chose d'autre. Au niveau auditif, quelqu'un qui parle d'une voix en mode lecture, régulière, voire carrément monocorde. Voilà, hein, donc quelqu'un qui est pas très, qui met pas beaucoup d'intonation, etc. Et puis au niveau émotionnel aussi, quelqu'un, enfin, on serait sur un ton très sérieux, très formel, on essaie de contrôler les émotions, voilà. Hein, donc quelque chose d'un petit peu aseptisé, je dirais. Eh bien, dans ce cas-là, avec un déroulé comme ça qui est donc peu stimulant, ça entraîne une chute de l'attention vers la 10e minute. En réalité, c'est progressif, mais à partir de 10 minutes, ça diminue très très fortement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Comment est-ce qu'on peut capter l'attention ? Est-ce qu'on doit peut-être réduire n'importe quelle formation à 10 minutes ? Est-ce qu'il existe des moyens de maintenir l'attention tout au long de la session ? Je dirais, je ne vais peut-être pas vous inviter à partager ça parce qu'on n'a plus que quelques minutes normalement, on touche au but, mais n'hésitez pas à mettre quelques idées peut-être sur le chat. Mais je vais vous proposer justement quelques-unes de ces idées parce que, en fait, fondamentalement, ce dont l'apprenant a besoin, c'est de rupture. Donc, on n'est pas obligé de s'arrêter après 10 minutes. Ouf, ça dépend, mais. Vous pouvez continuer votre formation au-delà de 10 minutes, vous pouvez programmer des sessions de 1 heure, vous pouvez avoir un atelier comme aujourd'hui qui dure 1 heure, à condition de créer des ruptures. Quel genre de rupture ? Ben, ça peut être une petite vidéo. Ah, tiens, il y avait une vidéo justement avant, pour introduire l'attention. Ça peut être une petite anecdote, ça peut être changer de ton pour justement raconter une anecdote ou simplement passer un petit peu sur le registre de l'humour pour détendre un petit peu l'atmosphère, passer à autre chose. C'est un quiz aussi, hein, qui a d'autres avantages que purement l'avantage de quelque part réinitialiser le compteur de l'attention. Donc voilà. Donc il n'est pas nécessaire de zapper, de dire « Ok, bon, terminé pour ce sujet, on va passer à un autre sujet. » Et au contraire même, parce que
Si vous zappez tout le temps, bah, ça peut créer une surcharge cognitive. On parle parfois de malédiction de l'expert. Donc là aussi, il faut essayer quand même de réduire la quantité d'informations fournies. Mais donc, ne zappez pas toutes les 10 minutes, ne changez pas complètement de sujet toutes les 10 minutes. Mais par contre, changez un peu d'approche, créez une rupture. D'autre manière de soutenir l'attention, c'est aussi de mettre un peu de pression, de jouer sur le niveau de pression. Donc, il faut essayer que la personne ne se trouve pas dans la zone d'ennui ou de rêverie, dans laquelle j'espère que vous n'êtes pas là tout de suite. Mais essayez qu'elle atteigne ce flow, hein, c'est cette zone vraiment de confort et aussi de performance extrêmement élevée, parce qu'on, c'est un terme, un anglicisme qu'on entend pas mal en ce moment, le flow. Mais il ne faut pas non plus aller trop loin, parce que si on pousse trop loin le curseur et qu'on met un peu trop de pression, un peu trop de challenge, eh bien alors l'apprenant peut se retrouver un peu en mode panique, voire anxieux, etc., voire épuisé même, hein. Et du coup, là aussi, ça va mobiliser beaucoup de sa mémoire de travail. Il va penser « Ah, je dois absolument faire ceci, cela ». Quand on a peur, c'est contre-productif. Exemple, typiquement, quand on sait qu'on va être interrogé. Alors, ok, vous devez préparer et puis vous allez devoir présenter devant tout le monde. Ok, ça peut être très très bien, hein, de nouveau. Mais attention à justement modérer ça pour ne pas tomber dans l'anxiété où finalement, on est déjà en train de se dire « Mais comment je vais faire pour présenter et pas avoir l'air ridicule ?» Et qu'est-ce que je pourrais dire, et voilà, et je vais m'arranger pour que ce soit lui qui présente, comme ça c'est bon. Non, mais à contrario, bien sûr, savoir qu'on va présenter, ben oui, on est davantage attentif. Et de nouveau, il faut trouver le juste équilibre, parce qu'il faut savoir que quand on va trop loin, ben on tombe dans l'anxiété, la peur, ce genre de choses, et finalement, ça crée aussi de la paralysie. Voilà, donc ça c'est aussi un truc qui marche bien, c'est justement de créer un peu de pression. Alors, deux aspects, c'est mettre un peu de mouvement aussi. Ça peut être au niveau du son, ça peut être varier les intonations, bouger les mains à l'italienne, hein, peut-être. Simplement vous déplacer aussi dans une salle, si vous êtes dans une salle. Ça paraît évident, on en a parlé avec la capacité de la mémoire de travail, pas de multitâche, personne n'est multitâche, même les femmes. Désolé, mais ça a été prouvé aussi, c'est un neuromythe, ça, justement. Les enfants, les femmes ne sont pas plus multitâches que, en fait, personne ne l'est. Tout le monde a cette capacité, cet empan amnésique, et à un moment donné, si je fais deux choses en même temps, y a une partie de ma capacité mémorielle qui est assignée, qui est attribuée à ces tâches-là. Donc, pas de multitâche, mais de la même manière, limiter les sources de pollution. Donc, typiquement, votre cerveau va filtrer, va être capable d'inhiber certaines choses, et par exemple, ne pas isoler un bruit. Il y a un bruit de fond, il y a la musique, il y a quelque chose comme ça. La musique, c'est pas l'idéal, parce que justement, ça arrive quand même au cerveau, ça va utiliser quelque chose, et donc à un moment donné, le cerveau va être capable de la filtrer, mais en réalité, ça va quand même nécessiter un effort permanent du cerveau. Il y a également un exercice pour ça s'appelle l'effet Stroop, STROOP. Vous pouvez faire ce petit exercice-là, on n'aura pas le temps aujourd'hui, c'était pas spécialement prévu non plus. Mais ça montre bien l'importance justement de limiter ces sources de pollution finalement. Voilà, et ce qui marche bien aussi, c'est le dernier point dont je parlais un petit peu tout à l'heure, c'est l'aspect émotion. Donc créer de l'émotion avec du storytelling, en proposant peut-être des jeux aussi, créer des effets de surprise, les énigmes à résoudre. Quand on a une énigme à résoudre, finalement ça c'est quelque chose justement qui stimule beaucoup l'attention, c'est résoudre un problème. Donc ça, c'est toutes des choses qui peuvent amener de l'émotion. Et donc, oui, le storytelling, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aussi aujourd'hui dans plein de contextes. Mais pour la formation, c'est très intéressant également parce que ça crée de l'émotion. Et l'émotion, on n'en a pas parlé aujourd'hui, on n'aura pas le temps, c'est pas prévu. Mais l'émotion, c'est aussi un levier important pour ancrer dans la mémoire long terme. C'est une manière justement de créer ces indices mémoriels qui vont permettre ensuite de retrouver l'information, enfin de la stocker d'abord et de la récupérer ensuite. Voilà, donc ça c'est pour quelques pistes qui vont vous permettre de capter l'attention, mais je crois que l'information clé ici c'est justement de retenir que l'attention c'est super important, et puis après il y a des milliers de ressources qui sont disponibles sur ce sujet aussi, mais j'espère que vous aurez attrapé quelques idées au vol peut-être. Voilà, donc on a couvert les trois sujets qu'on souhaitait aborder aujourd'hui. Une petite introduction simplement au concept de neuroéducation. On a parlé de cette mémoire de travail et on a vaguement évoqué l'autre type de mémoire. On a parlé de l'attention qui est une des trois étapes de la mémorisation avec le stockage, enfin l'encodage, stockage et puis la récupération. On a évoqué aussi quelques pistes. Maintenant, on a encore quelques pistes ici, mais ça, on vous partagera le support parce que je ne vais pas lire un slide avec plein de textes, hein, ça ne sert à rien. Donc voilà.
Mais ici, on a encore remis aussi quelques petits trucs en réalité, quelques conseils. Mais ce sont des conseils pour le coup qui sont pour lesquels il y a une base scientifique qui a permis de démontrer effectivement l'intérêt de ce type de pratique. Mais là, ça dépasse le cadre de la mémoire de travail et ou de l'attention. On parle par exemple de la répétition d'un message sous différents angles, ce genre de choses. Bah, donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Il y a énormément de ressources qui sont très intéressantes. Donc, moi, un livre en tout cas qui m'a beaucoup inspiré aussi pour aujourd'hui, mais qui peut peut-être vous convaincre, c'est Neuro Learning chez Erol, qui est écrit par trois personnes, donc Dr Nadia Medjed, Philippe Gilles et Philippe Lacroix. Je vais mettre ça après, je vais mettre la référence sur le chat dans une minute. Mathieu, je crois que tu as aussi quelques conseils, peut-être un livre ou deux que tu mettrais en avant. Bah, disons que les livres que moi je connais, en fait, ça s'applique beaucoup plus au digital. Le monde entier est axé sur les produits et les services digitaux. J'ai beaucoup de choses intéressantes pour le learning digital principalement. Et c'est des sujets un peu plus vastes. Comme par exemple, il y a le livre qui s'appelle Hooked de Nir Hayal, si je ne dis pas de bêtises, avec une jaquette jaune qui là, il explique le mécanisme en fait par lequel le cerveau va s'accrocher à quelque chose et va continuer à apprendre constamment. Je pourrais aussi effectivement donner des références si besoin est. Il y a deux personnes aussi que moi qui sont très intéressantes, je trouve, au niveau de l'apprentissage et qui sont des francophones. On a notamment Franck Ramus ou Ramu, je ne sais pas comment on prononce. Vous tapez Franck Ramu dans YouTube et en fait, c'est le directeur, s'il l'est encore aujourd'hui, du CNRS. Et alors, lui est spécialisé en neurosciences et notamment dans l'apprentissage. Il a fait quelques TED très intéressants là-dessus. Et aussi quelques articles. Et la force qu'il a aussi, c'est qu'il arrive à vulgariser ça. Donc, c'est-à-dire, des gens comme nous, on peut facilement le. En cramus sans le S. Ouais. Merci. Du coup, des gens comme nous peuvent facilement comprendre les différents concepts. Ils ne rentrent pas trop dans les détails à expliquer c'est le cortex préfrontal, etc. Mais c'est plutôt, ils donnent un state of the art des neurosciences dans l'éducation. Et alors, il y a une deuxième personne, mais je ne retrouve plus le nom. Quand vous tapez neurosciences sur YouTube et c'est un francophone avec des longs cheveux bouclés. Et lui aussi arrive à vulgariser assez bien les neurosciences. Non, mais, donc, moi, j'ai partagé un lien aussi là sur le chat sur un des supports que vous pouvez trouver qui parle spécifiquement de neuroéducation, hein, donc vraiment des neurosciences appliquées au digital et à la formation en plus largement, avec beaucoup de conseils pratiques justement, un bon tour d'horizon tout de même. Après, il y a des ouvrages spécialisés sur les biais, etc. Bien sûr, il y a des choses comme les traités de manipulation à l'usage des honnêtes gens, ce genre de choses. Il y a énormément de ressources. Je pense qu'on va en rester là, en tout cas pour la présentation. Donc, je vais aussi remettre le lien vers cette présentation. Il y a un mot de passe, mais ça je vais le partager, un mot de passe pour y accéder. Donc vous pourrez retrouver ça. Alors j'ai mis une petite citation en guise de conclusion, mais évidemment elle est totalement satirique. Hein, mais je crois que c'est un des challenges qu'on a aujourd'hui avec le digital, avec toute cette multitude de contenus disponibles partout justement. C'est de bien comprendre les enjeux de l'apprentissage aujourd'hui. Donc je pense que c'est ça que je souhaitais pointer en tout cas à travers ce petit clin d'œil. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce petit atelier. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé sur les sondages aussi. Je vous invite peut-être à prolonger la discussion pour ceux qui le souhaitent, soit sur le chat ici ou directement sur les autres espaces de Hopin qui le permettent. Si vous avez des questions, moi je reste sur la scène avec Mathieu, donc pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas, on reste disponible et on poursuit la discussion maintenant avec les questions pour ceux qui le souhaitent. Merci à tous. Merci à tous. Donc n'hésitez pas pour les questions.